Messieurs, bonjour. Alors, vous savez que j'étais à Minsk. Vous savez que j'étais en Biélorussie. Vous savez également que j'ai 100% de réussite en voyage de groupe. Et moi, j'ai vu une vidéo d'un pauvre type qui disait qu'en Biélorussie, il fallait s'en méfier, que c'était des arnaques, etc. Ben, ça serait difficile que ça soit une arnaque. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que Irina est bien implantée en Ukraine. Vous savez que j'ai des contacts, vous savez que j'ai des aides. Par rapport à ma meilleure amie qui est une grande avocate sur Kiev. Donc moi personnellement, j'ai pas grand chose à risquer sur l'Ukraine. Mais d'autres se sont pratiquement tous, je dis bien tous ces sites de rencontres canadiens, ils se sont tous fait arnaquer à un moment donné ou à un autre parce qu'ils ne savaient rien et ils ne connaissaient rien sur l'Ukraine. Oui, il y en a un qui c'est un Français, l'autre c'est un Russe. Donc ils ne connaissaient rien du tout sur l'Ukraine, donc ils se sont tous fait arnaquer de ce fait. Eh bien, leurs clients aussi se sont fait arnaquer. Moi, c'est jamais arrivé, étant donné que ben, toutes ces agences savent très bien, tous ces partenaires savent très bien qui est derrière moi, et ils ne se permettront jamais de m'escroquer, de peur d'avoir de gros problèmes. Donc, pour nous, c'est pas un souci. Pour d'autres, c'est un gros souci. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sites de rencontres, des agences matrimoniales en Ukraine qui sont peu respectueuses des lois, qui sont peu respectueux envers leurs clients, qui arnaquent leurs clients. Et c'est pour cette raison que bah, ces sites canadiens se sont fait arnaquer également. Donc, moi, j'ai pas de problème en Ukraine. Alors, on me parle comme quoi de la Biélorussie. Attention, il faut faire attention à la Biélorussie parce qu'il y a plein d'arnaques, parce qu'il y a des escrocs. Ben non, c'est impossible qu'il y ait des escrocs en Biélorussie. C'est impossible. Déjà, le taux de délinquance est très bas. Donc déjà, oui, parce que je vous rappelle que c'est encore la dernière dictature, mais bon, on peut y rentrer sans problème. Il faut juste montrer patte blanche, encore un peu plus aujourd'hui avec les problèmes qu'il y a dans la rue. Mais aujourd'hui, voilà, on ne l'a pas ressenti plus que ça. Nous étions un peu à l'extérieur de la ville. Il y a un seul jour où nous avons éviter le centre-ville, où il y a eu un peu de peur. Mais bon, je peux vous assurer qu'à côté des gilets jaunes, c'est gentil. C'est très gentil, parce que je peux vous assurer que quand vous regardez les médias en France, ce qui se passe en France, et quand vous regardez ce qui se passe en Biélorussie, excusez-moi, mais on a plus l'impression qu'en Biélorussie, c'est quelques échafourés, qu'en France, on dirait plutôt la guerre. Voilà, donc quand on me dit « Oh là là, Biélorussie, attention !» ça me fait rire quand je vois ce qui se passe à Paris. Mais bon, c'était juste un petit truc comme ça. C'était juste en passant. Alors, pourquoi c'est impossible de se faire escroquer en Biélorussie et que certains devraient, excusez-moi, la fermer pour arrêter de diffamer les autres, ce qu'ils font généralement, bien sûr, pour se mettre en avant. Donc, pour ouvrir une agence matrimoniale en Biélorussie, déjà, vous avez besoin d'une licence d'agence matrimoniale. Ouais, déjà. Pour obtenir une licence, vous devez répondre à un grand nombre d'exigences. Donc, le directeur doit avoir une formation supérieure, donc universitaire, on est bien d'accord. Il est nécessaire d'avoir un bureau, donc un local commercial. Le directeur doit être propre devant la loi, donc n'avoir aucun antécédent. Eh bien, au niveau de la loi, au niveau juridique, aucun antécédent, ne pas avoir été arrêté. Même, je pense, même pour excès de vitesse, vous pouvez même avoir des problèmes en Biélorussie pour ouvrir une agence matrimoniale si vous avez des antécédents. Vous devez avoir un accord avec les partenaires sur lequel il y aura une apostille. Conclure un accord avec chaque client. Chaque mois, soumettre les données sur chaque client qui rentre en Biélorussie pour des rencontres. Oui, vous avez bien entendu. Et puis soumettre des données sur chaque femme qui allait chez ce monsieur pour, du moins, chez un monsieur pour le rencontrer, du moins, qui a rencontré un monsieur étranger. Voilà, il faut en plus donner des informations, quelle dame a rencontré quel monsieur. Donc vous voyez le truc, hein? Ouais, vous voyez, d'accord. Et puis en plus, alors cerise sur le gâteau, le ministère de l'Intérieur mène son propre audit, oui, pour savoir exactement si ceux qui vont ouvrir cette agence
sont vraiment sérieux. Donc quand on me dit « Oh oui, en Biélorussie, ce sont que des arnaqueurs » et que eux-mêmes se sont fait arnaquer en Ukraine et que pourtant l'Ukraine, bah, si vous avez des bons contacts, tout se passe bien, si vous l'avez mauvais, bah, comme eux, vous ferez arnaquer, et qui disent « Oui, on peut se faire arnaquer en Biélorussie », ça veut dire qu'ils ne savent rien du tout de la Biélorussie, comme d'ailleurs beaucoup ne savent même pas ce qui se passe en Ukraine, ils disent beaucoup de conneries sur l'Ukraine, ou qui viennent nous voler des informations. Donc ça veut bien dire qu'en fait, en Biélorussie, tout est beaucoup plus carré que l'Ukraine, malheureusement pour l'Ukraine. Bon, si comme moi, vous avez les bons contacts, vous n'aurez jamais aucun souci, parce que tout le monde se... Voilà, n'aura pas peur, mais va craindre des suites si on nous arnaque. Les autres, non, parce que c'est des rigolos, donc eux, on peut les arnaquer facilement. D'ailleurs, les filles aussi les arnaquent, même leurs adhérentes les arnaquent. Donc, tout le monde peut arnaquer tout le monde dans ces sites. Que moi, non, ça se passe pas bien, ça se passera jamais comme ça, parce que même les filles savent très bien que si on essaye d'arnaquer Irina, eh bien, ou arnaquer un client d'Irina, il y a des suites, et les suites ne sont pas très sympas pour elles. Donc, elles le savent également. D'ailleurs, toutes ces dames qui sont des escrocs, qui sont des scams, ne viennent pas chez les partenaires en sachant qu'elles ils travaillent avec Irina. Voilà, ça c'est déjà pour l'Ukraine. Pour la Biélorussie, je viens de vous l'expliquer. Vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus tenu. Il faut savoir quand même que juste, petite anecdote, juste aujourd'hui en France, on fume des tarpés comme on fume des cigarettes, hein, on le sait. Eh bien, là-bas, vous fumez un joint, c'est 10 jours de prison. Oui. Je dis bien 10 jours de prison. Aujourd'hui en Allemagne, en Belgique, en Hollande, etc. On peut faire un peu ce qu'on veut. En France aussi, même si ce n'est pas légalisé. Voilà, on en voit de plus en plus. Moi, quand j'étais flic, tous les étudiants en avaient, ça c'est clair. Par contre, en Biélorussie, un autre à ce jour, si vous fumez un jour, eh bien vous avez 10 jours de prison. Si vous fumez dans les locaux où vous n'avez pas le droit de fumer, c'est 100 € d'amende. Oui, messieurs. Oui, ça rigole pas en Biélorussie, ça rigole pas. Alors je peux vous assurer qu'un escroc, c'est très très mal vu en Biélorussie. Et si juste pour une clope dans un local fermé, vous n'avez pas l'autorisation de fumer, c'est 100 € d'amende. Je vous dis même pas, pour celui qui veut escroquer, ce que ça va être. On en parle même plus, on en parle même pas. Donc les gens ont peur parce qu'ils ont peur de finir en prison. Donc je peux vous assurer qu'ils suivent une ligne de conduite très très droite. Donc les escrocs, toutes ces conneries qu'on vous racontait dans une des vidéos, c'est une pure arnaque, ou je sais pas, où il a peut-être mitonné un maximum, ce pauvre monsieur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Biélorussie, vous ne serez jamais arnaqué, étant donné que si des gens se permettraient de vous arnaquer, ça serait direction la prison, sans passer par la case, voilà, par la case départ. Ça, c'est clair et net. Vous ne toucherez pas votre bonus et vous irez tout de suite en prison. Ça, c'est le quotidien de la Biélorussie, c'est le quotidien des gens biélorusses. D'ailleurs, il y a très très peu de délinquance en Biélorussie. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent dimanche.